Kiki Politique. C'est vraiment comme pour nous connaître l'actualité politique qui est RDC. Abonnez-vous sur Narrative. Il y a Ebele et Bele. Sauf que vous n'y voyez pas vrai vexé à politique. Vous voyez Narrative. Abonnez-vous sur Narrative. Avec Abigail Mukendi. Moseka de Malewa Moderne vous dit bonjour. Émission Moseka ya Malewa Moderne pesibino banso mbote. Mbote na beno nyonso bampanga luzolo. Émission Moseka me pesa beno nyonso mbote. Bisafi, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu prépares, ma fille? Aujourd'hui, je prépare l'oseille que les Vaingaï. Ah, tu prépares. Alors, je suis en train de quêter ça. Ah, tu es encore en train de quêter. Donc, tu es déjà presque à la fin. Oui, ok. Ça s'accompagne avec le poisson. Voilà, mais moi, je veux que tu finisses d'abord parce que tu es déjà, voilà. Oui. Parce que tu es déjà à la fin. Oui. C'est Yaya de tout le monde. À la maison, c'est elle qui prépare. Oui. Et si elle part à l'école, il y a la petite Aminata qui prend les relèves. Oui, voilà, très contente, Yaya. Aujourd'hui, tu es là en train de nous préparer. Et Ngaï Ngaï, voilà, tu as fini de quêter. Oui. C'est bien bon. Maintenant, qu'est-ce que nous aurons comme ingrédients? Les ingrédients, nous aurons besoin de les ciboulettes, comme vous voyez. Oui, ce que nous appelons les demi. Nous aurons besoin de ça. Nous aurons besoin aussi de l'oignon. Nous aurons aussi besoin de la tomate. Nous aurons besoin aussi du sel. Oui. Du sel. Moi, je ne mange pas du sel, hein. Donc, vous me chassez déjà. Non. Donc, aujourd'hui, moi, je ne vais pas manger. Non, on peut mettre un peu, non? Un peu, il ne faut pas mettre beaucoup, un peu seulement. Oui, on met parce que ça peu. Peut permettre à quelqu'un qui ne mange pas, et celui qui aime plus, il peut rajouter à côté. Oui. Ngaï Ngaï sera accompagné de poisson. Vous allez mettre dedans? Oui, on va faire le poisson. Okay. C'est toi qui prépares, non? Oui. D'accord. On n'a pas suffi. Et ça, si vous le mangez, restez. Retour. Salma qui a pris ça. Salma qui a pris ça. L'huile, nous aurons aussi besoin de l'huile parce que l'huile va nous permettre de cuire le poisson, de cuire les ingrédients que nous allons avoir besoin de ça. Ok, merci Aya. Je vais suivre un peu les étapes. Comment tu vas préparer? Oui. Ah, Binga, Bisafi. Oui. Maintenant, c'est quelle étape ça? Maintenant, je suis en train de laver ça. Maintenant, je suis en train de laver pour enlever de saleté. Ok. On enlève. Avant de préparer, on doit d'abord laver. C'est vraiment. Donc, un bon conseil. Oui. Yaya nous donne un bon conseil. Il nous a prodigué le conseil qu'il faut toujours nettoyer. Avant la préparation. C'est bon. Toujours nettoyer. D'accord. Et en plus, pas avec un seul eau, hein? Oui. Faut être sûr qu'il n'y a plus de saleté. Si vous voyez, cette eau est vraiment sale, comme vous voyez, on change de l'eau. Voilà. On le rince, on le met dans notre eau. D'accord. C'est bien. Pour se rassurer qu'il n'y a plus de sable.
Oui, nous avons assimilé ton conseil. Et chaque fois aussi, il faut mettre la main en bas. Hein? Oui, il faut mettre... Parce que quand vous faites ça, il y a du sable qui reste en bas. Ok. S'il n'y a plus de sable, là, là au moins, on est sûr. Oui, on est sûr. Ça, tu vas laver combien de fois? Bon, ça dépend, non? Quand vous êtes en train de laver, vous sentez qu'il n'y a plus de sable. Ah, là, on a... Mais si vous lavez, vous recommencez, vous changez de l'eau, vous remarquez qu'il y a toujours le sable. Il faut continuer. Oui. Comme vous voyez, regardez, l'eau est vraiment sale. Ça. Et en bas, quand tu mets ta main là, il y a encore le sable. Oui. Il y a le sable au fond. Oui, au fond de... il y a du sable. D'accord. Quand vous mettez, il y a du sable. C'est bon. Maintenant, nous avons changé de l'eau. Uh-huh. Bissaf, oui? Tu es à la fin de ton message. Oui. Voilà. Ça c'est le quantième. C'est la quantième fois ça. Ça, c'est la troisième fois. Ah, la troisième. Oui. On est sûr que c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a plus de saleté. L'eau est propre. Ah, ton l'eau est propre. Hein? Voilà. Même si vous touchez au fond, il n'y a plus de sable. Sable, hein? C'est bon. Là, on est sûr. D'accord. Il n'y a plus de sable. Maintenant, on va mettre ça. Maintenant, on est convaincu. On mange les choses qui sont propres. Ok. Un bon conseil de Yaya. Ok, je vais voir comment tu vas préparer aujourd'hui. Oui, j'ai hâte aussi de... Merci. Dis, Safi, qu'est-ce que tu as fait là? Ouais, comme vous voyez, je viens de bouillir ça. Ah, bouillir. Mmh. Tu fais comment pour bouillir? Parce que je vis déjà ça changer de la couleur. On met au feu pendant 5 à 7 minutes, on attend que ça change de couleur. Et puis, vous allez remarquer que ça va diminuer. Quand ça diminue, ça change. C'était de trop couleur. Là, ça diminue, hein? Oui, et puis. Tu as écrasé, apparemment, on dirait que tu as écrasé. Oui. Après avoir bouillir, on écrase. Parce que ce sont des feuilles, non? Pour écraser pour que ce soit. Oui. S'il y avait un malaxeur, l'inzeta foufou, là, ce serait mieux. Hein? Tu écrases aussi avec l'inzeta foufou. Oui, avec ça aussi. Ah, ok. C'est bien. On attend d'autres étapes. Oui. Ici, Yaya, je vis. Tu as mis de l'huile, hein? Oui. Je veux maintenant cuire le poisson. Ah, d'accord. Cuire notre poisson. Ce que tu vas faire, c'est frire, hein? Frire ton poisson. C'est bien ça, Yaya. Ou tout comme tu peux dire poêler, hein? Ça, on nous apprend dans les cours de coaching avec notre maman Malewa moderne. C'est bon. Là, on va patienter. D'accord. Merci. Bissavi, là c'est quoi encore? Je suis en train de frire le poisson. Ah, la leçon de maman Malewa est assimilée. Oui. Ma petite a corrigé, hein? Oui. Elle est en train de frire, c'est très bien. Oui. Maman Malewa, Oyoki Mate, Zokota. Bissavi est en train de frire ses poissons que nous allons mettre dans notre ngaï. Voilà. Beaucoup de poissons, hein? On va bien manger, hein? Ça, c'est bien ça. Ça, ce n'est que la première, les premiers tours, hein? Je vois, il y a encore les poissons non frits, hein? Oui, il y a encore les poissons non frits. Ah oui. Bon, d'accord, ça, c'est bien ça. Nous allons voir, mais l'oseille sera trop petit, hein? C'est ce qui est mieux, hein? Bien ça fait. Oui. C'est ce qui est bien, hein? Dans les ngaï, on ne met pas assez de légumes, hein? Oui. Un peu seulement. Ah, d'accord, c'est bon. Voilà, Bissafi a fini de préparer son ngaï avec poisson. Elle vient d'apprêter l'assiette pour sa mère. Nous lui disons merci.
Ils ont été très gentils et voilà, nous sommes à la fin de cette recette. Nous vous demandons, nous émission Monseca, de liker, de vous abonner sur notre chaîne Monseca de Malewa Moderne. Nous vous disons merci beaucoup et nous vous aimons tant. À la prochaine. Karaté en tout cas, si vous en avez posé Baba News sur ma sport, Nayo, vous abonnez massivement sur Narrative, vous allez la décider. Na Narrative, nous sommes au bout de la quête et vous allez la vérité avec Bonheur Sam de Sanjola. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prend l'émission Monseca de Malewa Moderne.